nous avons un projet de territoire. Qui dit projet de territoire, ça veut dire qu'il faut prendre en considération tous les aspects de la commune. Donc nous avons mis en place un projet d'administration, nous avons mis en place ce qu'on appelle une plateforme de concertation. Bientôt, nous allons mettre en place une plateforme numérique. Mais pour aller le plus près possible de la jeunesse, on a prévu de mettre en place ce qu'on appelle un réseau d'entraide sociale pour les jeunes. Et dans ce réseau d'entraide sociale pour les jeunes, nous avons eu plusieurs réunions avec la mission locale, avec la maison de l'emploi, avec la DIET, avec la région, avec le département. Et nous avons pensé que les entreprises doivent jouer un rôle important, d'autant plus qu'il s'agit de développement économique. Alors pour ça, nous avons souhaité rencontrer les entreprises et nous avons pensé effectivement à Contact Entreprises. Qu'est-ce que nous attendons de ces entreprises? Déjà, on souhaite qu'il y ait vraiment un parrainage. Un parrainage, ça veut dire que nous avons plus de 1000 entreprises sur du COS. Si chaque entreprise accepte de prendre un jeune comme filleul, nous aurons gagné le pari de convaincre le jeune, de lui apprendre à préparer son avenir, de s'engager vers d'autres personnes aussi. Et puis aussi, pourquoi pas, mettre un système de parrainage aussi avec les entreprises et la collectivité, le centre de formation. Pourquoi pas ne pas mettre en place un partenariat pour que demain matin, nous puissions faire connaître à la population qu'il y a plusieurs types d'entreprises sur le territoire avec plusieurs activités et qu'ils ont la possibilité, à travers les actions menées par Contact Entreprises, d'avoir la chance d'accompagner la jeunesse, le jeune, notamment pour préparer les entretiens d'embauche, préparer des documents administratifs pour certains concours, etc. Et puis se sentir encadré, hein, pour pas que lorsqu'ils s'engagent pour avoir accès à un emploi, qu'ils soient découragés à mi-parcours. Hein? Donc c'est ce que nous attendons de Contact Entreprises, des entreprises. Beaucoup de personnes, à Ducos notamment, ils ne savent pas ce que font les entreprises chez nous. Hein? Donc nous voulons aussi connaître les entreprises, parce que aujourd'hui nous disons il faut créer de la richesse, mais pour créer de la richesse, il y a que les entreprises aussi qui peuvent donner un réel coup de main pour l'avenir et avoir des informations pour soit au niveau de la fiscalité, voir comment on peut s'organiser pour ne pas les décourager, notamment les petites entreprises. Et puis dire aussi qu'avec les entreprises, avec Contact Entreprises, on a découvert aussi qu'il y a le problème du foncier. Il faut du foncier. Hein? Nous disons qu'il faut créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est quoi? C'est la gestion économe du sol et la gestion équilibrée de l'espace. Donc on a beau former un jeune, on a beau l'accompagner, mais s'il n'y a pas de locaux, s'il n'y a pas de foncier, il ne pourra pas s'installer.